Dwight B, frérot, tu ne fais que parler là depuis le début de la game. Je me tais. Ah, tu vises encore des gens. Mais non. La tête de ma mère. Non, c'est juste. Mais non, mais pas moi. Mais t'es con. Mais la foudre maintenant. Non, mais Dwight, je le déteste, c'est impossible. Ce soir, c'est les légendes. C'est nous les légendes du loup-garou là. Attends, on est vraiment les légendes. Ce soir, c'est les légendes. Messieurs, dames, dans le chat, ce soir. Il s'agit, attends, faut que je mette une musique épique libre de droit. No copyright, musique épique. Tu la connais bien, on l'a tous tapé celle-là. Ce soir, c'est les légendes. Ce soir, c'est Mikalo, un joueur qui a plus de 12 nuits gagnées en tant que loup-garou à son actif. Ce soir, c'est Magla. Magla, une jeune villageoise morte bien trop souvent à tort, mais qui compte bien ce soir ne pas se laisser faire. Ce soir, c'est aussi Loclear. Loclear, le mathématicien, le statisticien qui ne se trompe que 9 games sur 10. On a aussi ce soir Kameto qui sera là. Kameto qui est un joueur à la hauteur des plus grands joueurs du loup-garou qu'on ait vu. Ce jeudi soir, il est fourbe, il est malin, c'est un petit peu à l'égal de son allié Gotaga en termes de skill. Gotaga, qui je le rappelle, est le MVP hein, de ces jeudis soirs loup-garou. Il ne lâche personne, il arrive à monter les gens les uns contre les autres, il fait ses petits sourires en coin. C'est une vraie salope et c'est pour ça que ce soir on va être très méfiant hein, vis-à-vis de Gota. On a aussi Dwagby. Pardon, j'ai mis trop d'affect. On a aussi Dwagby qui malheureusement est le PVM, hein, l'inverse du MVP. Hein, il est claqué au sol, dès qu'il ment, ça s'entend, ça se trempe dans la voix, ça part différemment, bref, ça va pas du tout. Et on a aussi Aki qui se place très très bien dans ces loup-garous, qui est discret quand il faux et qui a une très très bonne impro quand il commence à être repéré par ses alliés. Attends, on a Squeezie aussi qui est le caméraman de la soirée best-of et qui va faire que de mourir en boucle ce soir. Moi c'est aléatoire quoi. Peut être nul à chier comme bien, ça va dépendre des nuits. Ça fait de moi un adversaire redoutable car très instable. Et le nouveau rôle de ses prochaines parties sera le corbeau. Le corbeau gagne avec le village. Chaque nuit, il peut désigner le joueur de son choix et lui attribuer ainsi 2 votes d'office pour la journée suivante. Donc si vous avez éveillé les soupçons du corbeau, vous vous réveillerez avec une petite surprise au-dessus de la tête. C'est bizarre, vous me tuez en premier, y a plus de game. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Ouais, t'inquiète Gota, t'es sur ma ligne de mire. J'ai retenu Kameto, j'ai retenu Magla, j'ai retenu pas mal de monde. Hein. Gota, quand vous êtes en premier. Les gens qui veulent me buter en premier. Ouais. Hein. Kamel, c'est bâtard ce que tu viens de faire là. c'est Pookie ça, c'est 6ix9ine ça mon pote. Hein, c'est... Mais les corbeaux à 8, c'est chaud aussi, hein. À quel niveau? En vrai, t'as 2 votes. Genre, t'as un impact de ouf. Ah, t'as un impact de ouf. Ah ouais, mais c'est trop bien. t'es obligé de. J'avoue que c'est très dur pour les loups-garous. C'est la nuit, un peu de silence. Ah, excuse-nous, on était en réunion. Mais j'avoue que c'est dur pour les loups-garous, hein, parce que chasseur, voyante, sorcière. T'as rien compris au silence. Ah, il est peut-être loup-garou. Attention à qui. Allez. Moi j'évite d'ouvrir ma gueule parce que sinon je vais encore. Tiens attention. Tiens attention. Tu passes une bonne soirée, Locke ? Non, Mika il rigole trop. Non, Mika il rigole trop. Ah, ça veut dire que c'est la sorcière qui a fait ça. Taisez-vous tous, je suis en plein coup d'état, ok ? Mais tu vas faire quoi ? Tu vas rien faire. On va faire un perfect la première round victoire des. Allez, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, Squeezie, tu peux le trouver. Non, t'es toi, Brouillard d'ailleurs. Dwagby, frérot, tu ne fais que parler là depuis le début de la game. Je me tais. Non, mais Mika il était en train de rigoler avant que Loclear meure. Je suis pas ton instinct là, il se trompe, Squeezie. T'as dit quoi, Kameto, pardon ? Ah, tu vises encore des gens. Mais non ! La tête de ma mère. Non, c'est juste. Mais non, mais pas moi. Mais t'es con. Mais la foudre maintenant. Le cerveau de ce gars. Mais le cerveau de ce gars. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait maintenant ? On me tue, je tue. T'as raison, Doug. T'as raison, défends-toi, Doug. J'en suis à faire croire que c'était pour enlever une probabilité, que j'en suis un autre et qu'on combo. Mais oui. Ça aurait été incroyable, ça aurait été beau. Ça aurait été drôle. Ça aurait été dingue. Pardon. Dealer Dwag, défends-toi, t'as raison Dwag. Alors j'allais mourir quoi qu'il arrive. En plus je m'étais trompé. C'est vrai, j'ai réagi instinctivement, pardon. On avait un best-of là. On avait un best-of. On avait le perfect. Je suis en train de me dire pardon, la sorcière a tué le clear. Oui, la sorcière a 100% tué le clear, c'est sûr. Mais cette sorcière est trop forte, je t'ai dit. Oh non, j'ai cliqué, mais ça donnait envie. Je t'en veux pas Dwag. Ça arrive même au meilleur. C'est de la tentation, c'est pas grave. Hein ? Quoi ? C'est vrai que c'était un peu débile d'avoir tué sur le dictateur, c'est vrai. Moi je veux être capitaine. Moi d'abord. Moi je dirais Mika. Moi je te fais confiance, mec. Moi je lui fais pas confiance. Pourquoi tu lui fais pas confiance ? Parce que t'es loup et que moi je suis un être humain. Parce que pourquoi je lui ferais confiance ? Bah moi je te dis, tu peux lui faire confiance.
Hein, bah, hein. Et tu dis quoi maintenant? C'est un type bien. C'est sûr, on peut vraiment faire confiance, c'est sûr? Bah ça j'en sais rien, mais moi en tout cas, j'ai envie de faire confiance en cet homme. Vive la caca. Allez, why not? Allez. Tout d'abord, bonsoir à tous. Quelque chose me turlupine un peu. Qu'est-ce qui prouverait que c'est la sorcière qui a tué l'Auclear? Et que ce n'est pas un coup habituel des membres de l'AGCorp qui se croient malins en se suicidant et en espérant que la sorcière sauve l'Auclear. Ah, c'est vrai qu'ils peuvent se voter, j'avais oublié ça. Exactement. Ah, mais il est smart, ce maire. Et comme par hasard, cette même nuit, au matin, Mikalo était mort de rire quand il a vu l'Auclear mort. Mais Mikalo, il est tout le temps mort de rire. Eh ouais, je rigole tout le temps, c'est quoi ça? Mort de rire ce matin-là, Mikalo. Donc j'ai pas le droit de rigoler, en fait. Non, je pose juste la question. Et pourquoi est-ce que Mikalo essaiera pas de faire en sorte qu'on vote pour lui en faisant le débile? Mais en se faisant passer pour le bouffon. C'est un très beau bouffon, hein, Mikalo, hein, je trouve. Non, c'est vrai que c'est un bouffon. Bah ouais, c'est un bouffon. Toi, t'as le droit, mais Magla... Gotaga. Je ne fais que mettre des hypothèses, Mika. Gotaga, sur qui se tournent vos soupçons? Moi, c'est plus entre Mika et Magla. Moi, j'ai confiance en vous, monsieur le maire. Mais aussi Aki, qui est quand même... Moi, j'ai très confiance en Aki. J'ai confiance en Aki aussi. Très cher Gotaga, j'aimerais beaucoup que vous me fassiez confiance parce que j'ai vraiment des choses importantes à vous dire. Voilà. Malheureusement, je ne... Bah, dites ce que vous avez à dire, mais actuellement, je ne vous fais pas confiance. Peut-être plus tard dans la partie, on verra. Là, actuellement, non. Moi, j'ai vraiment l'impression que Mikalo joue un rôle exprès. J'ai vraiment l'intuition. Et dites-moi pourquoi on vous ferait confiance, vous, en fait. Non, mais dans ce cas-là, tu serais le loup-garou. En fait, là, tu cherches pas le loup, en fait. Il y a un truc qui me turlupine, c'est qu'au début, il a dit « Je fais confiance à Kamel », il a pas dit à qui, et toi, quand t'as dit j'ai confiance en Aki, il a dit j'ai confiance en Aki. Non. Allez, attends, pause. Attends, Kamel, on est d'accord, merci. Oui, nous sommes d'accord, allez. Mais l'histoire est réglée. Bah ok, bah super, vous avez moins. Moi je vous dis que voilà. Enfin voilà. Allez hop. Non, je pense Kamel, on se trompe. Kamel, je pense qu'on se trompe et on vote pour un bouffon. Ah bah merci de me croire un petit peu des fois, non? Magla, c'est pas une bouffonne. 100% c'est pas une bouffonne. Non, mais me tue pas, c'est une erreur. Je pense que t'as raison en fait. C'est moi qui dois choisir. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que t'as fait? Kameto le maire. Magla. Vas-y. Allez, voilà, bisous. C'est toujours Magla. Il fallait m'écouter! Merde! Il s'est fait passer pour la voyante. Tout est encore possible. Il reste une sorcière, un corbeau, un loup-garou et un bouffon. Tout est encore possible. Les trois camps peuvent gagner. Le bouffon peut gagner, le loup-garou peut gagner. Et le village peut gagner. Et on notera aussi que notre chasseur a vraiment fait une belle décision aussi sur cette game. C'était l'un des meilleurs chasseurs qu'on ait eu ces jeudis. Non mais t'avais pas à me buter. T'es allé trop vite, t'as été trop rapide. Mais tu sais que quoi qu'il arrive, elle allait mourir en fait, tu sais ça ou pas? Non, j'avoue que j'avais zappé ça, mais c'était plus de la vengeance. J'avoue que c'était de la vengeance. Parce que je suis mort. Merde. Comment il a retourné le cerveau, c'est incroyable. Non, y'a un problème. Mais je pouvais pas le tuer. Au revoir, Corentin. Voilà. Bon, bah, moi, trois games. J'espère que la quatrième, je vais passer le premier round. Attends, pause, quoi? Attends, Kamel, tu t'es trompé? Non, mais en fait, moi, j'ai eu un bug. Je pouvais pas cliquer dessus, Corentin. Ah, parce que j'étais déjà mort moi-même, ok. On peut relancer vite, s'il vous plaît. J'ai peut-être envie d'en faire une, moi. Merci. Mais les gars, des fois, il faut me croire. Hein. Gotha, il est perfide. Hein. Moi, je l'ai voté 100%. On est d'accord que les loups-garous ont gagné aucune game depuis tout à l'heure, là? Non. C'est trop dur. C'est dur, là. On n'est pas assez en fait, ou rajouter un troisième loup-garou. Ouais, 12 ça va, mais... Vous avez joué à 12? Ouais. Ouais, bah quand t'étais là, on jouait à 11, hein, ou 10 je crois. On était 11? Mm-hmm. Ouais, mais c'est là, c'est bien de refaire un truc en moins gros comité. Faites les bons choix, mes chers loups-garous. Bonne nuit à tous. Mais c'est le milieu de la nuit déjà. Ouais, bonne fin de nuit à tous en fait, et bon réveil. À demain. Bah laisse-moi dormir en fait, là tu me parles, j'arrive pas à dormir. Bah, je suis en train de te dire que ton réveil sonne dans 5 minutes, tu vas pas te rendormir, c'est complètement con. Bah si, j'ai envie de dormir 5 minutes, là t'es en train de me grailler mes dernières 5 minutes. Dring. Ok, t'es mort. C'est la nuit. Sérieux, si vous retuez l'Auclear, vous êtes des bâtards quoi. Ah ouais, Kamel, je me réveille pour dire que si je meurs, c'est Kamel. Donc toi, je te réveille quand t'en as envie. Donc c'est pas moi. Je l'ai vu en train de me graille. Si on se réveille et qu'il a deux votes. Si on se réveille et qu'il a deux votes au dessus de la tête. C'est ça, c'est Corvo. What? Wow. Attends, comment il est mort, Kamel? C'est la sorcière?
Ok. Attends, Miguel. C'est qui? Je veux savoir c'est qui, putain, j'en peux plus. 4 games, frérot, 4 games. Je t'avais dit, Locke, je t'avais dit, c'est des bâtards s'ils tuent. En plus, ils m'ont tué. Tu vois ce que ça fait d'être magla un jeudi soir? T'as vu? Hein? Tu le vis comment, tiens? Hein? Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est qui les deux loups-garous? J'ai le droit de le dire? Bah non, t'es mort, quoi. Non, ma proba scientifique. Non, laisse-moi donner ma proba scientifique. Non, mais je te connais, t'es mort. Non, mais tu vas encore ruiner mes games alors que pour une fois j'ai des bons rôles. Magla! Magla, tu sais que tu vas mourir! Mais oui, je sais, alors que pour une fois, je suis tranquille! Laisse-moi tranquille! C'est Squeezie et Gotha, je pense. Ok, je l'ai dit, hein, je l'ai dit. T'es con parce que Gotha jamais il aurait fait ça. Gotha, il aurait jamais fait ça, il est trop malin pour faire ça. Oh, c'est l'enfant dissident, là. En revanche, Dwagby, hein? Non, qui est le maire? C'est le maire. Ah, c'est, ouais, je suis le maire, vas-y. Ouais, mettez à qui, maire? Ok, vas-y, Coco, allez, vas-y. Mais comme ça, à qui il parle plus? Putain, mais Gauthier, il a juste à demander comme ça doucement, il l'a tout de suite. Mais c'est le premier streamer de France, mec, t'en rends pas compte. J'ai l'impression que, effectivement, Gauthier. T'as quoi, t'es jaloux? T'as un problème avec ce pouvoir? Arrêtez de vous battre. Je suis désolé, Magla, tu t'es jamais fait spawn kill 4 fois. T'es pas censé être mort là? T'es pas censé être mort? Ouais, attends, ça fait 4 fois que je me fais spawn kill, tu t'es jamais fait spawn kill 4 fois. Attends, quoi? Mika. Moi, je pense que Lucas est loup. Déjà, après le deuxième, ça peut être Dwag. Attends, pourquoi vous votez pour Mika, les autres, et du coup peux... Non, il y a le corbeau qui a voté pour Mika, et Dwag et Squeezie, ils ont voté pour Mika aussi, de base. Ouais, là, j'ai switch sur Squeezie. Moi, je fais confiance à notre mère, comme d'habitude. Merci de m'avoir mis mère, Lucas, en tout cas, c'est très gentil, mais je pense effectivement que tu es loup. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pourquoi, monsieur le maire, vous pensez qu'il est loup? Parce que, en fait, tu es trois fois Locklear, il y a qu'à Lucas que ce serait marrant. Il y a que toi pour faire ça. Non, mais 100%. Pardon, je suis mort. Squeezie, défends-toi, parce que vraiment, c'est vrai qu'il y a que toi pour faire ça. Je comprends complètement votre raisonnement, mais figurez-vous qu'il y a une personne parmi vous, je sais pas laquelle, mais qui a encore moins de race que moi, parce que moi j'aurais même pas fait ça. À qui il aurait pas fait ça, 100%. Et après il reste Mika et Dwagby. Magla, je pense elle aurait pas fait non plus. Non, j'ai vécu ça. Non, j'ai vécu ça. Franchement, j'ai pas envie que quelqu'un le vive. Et si c'était Magla qui se venge dans son duel permanent avec Locklear? Non. Par contre, je suis pas une connasse, ça fait 3 tours qu'il joue pas. Non, parce que je l'ai vécu, hein. Je fais que vivre ça à chaque fois, donc non. Non, mais les gars, enlevez pas votre vote de Lucas, je pense que c'est vrai, tu le détestes quand même pas mal. Mais non, mais j'adore Locke. Gotha, j'aimerais juste te dire que, en tant qu'ami, hein, que tu fais une vraie erreur. Vos choix à tous ce soir peuvent avoir des répercussions. Dog, question très rapide, t'es là ou pas, Dog? Ouais. T'es là? Ok, pourquoi t'as tué Kamel? J'ai pas tué Kamel, gros. Pourquoi j'ai tué Kamel? Quand j'ai tué Kamel? Pourquoi t'as tué Locke? Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai tué personne, j'ai pas encore activé mon pouvoir. Ton pouvoir? J'en dirai pas plus, mais je n'ai rien encore activé, mais je vais pas tarder à le faire. Je crois que je vois qu'une seule personne qui peut avoir un pouvoir, donc... Gotha, pourquoi ce serait pas toi, frérot? Parce que c'est pas moi. Hein. Je vais pas faire les pouvoirs. Non, bah j'en ai vu des super défauts. Non, s'il vous plaît, faites-moi confiance, on reste sur Lucas, s'il vous plaît. Il faut pas qu'il arrive à vous mindfuck. Okay. Et au pire des cas, votez pour moi s'il est pas loup. Ah, cette phrase, j'ai entendu un paquet de fois. Mais non, vous faites erreur. Qui est le meilleur de l'internet? Vous faites erreur. Quelle erreur. Et puis le deuxième, c'est soit Mika, soit Dog, je sais pas encore. Alors, je t'explique. Gotha, t'as quelque chose à me dire? Lucas, si tu me tues, les loups-garous sont. Par contre, Dog. Mais attends, mais tu joues à quoi, gros? Mais ça a aucun sens. Mec, il fallait que tu me fasses honneur, tu m'avais pas fait honneur. Vos actions ont des conséquences. Mais c'est la pire game. Je vous l'ai dit. Mec, par contre, si c'est Magla, là, ça va chier, hein, je vous le dis tout de suite. Mais mec, arrête. Croyez-moi pour une fois, une game sur 20. Sorcier, c'est sur toi. Sorcier active et c'est sur toi. Active. N'hésite pas. Le seul moyen, c'est que le sorcier tue un des deux loups-garous. Mais non, il a plus sa potion de mort. Il a sa potion. Ah bah oui, il a utilisé. Ça veut dire qu'il a tué. Gotha, t'es une belle salope. Je suis pas une belle salope, je te jure. Putain, Gotha. Ouais, mais Doc, c'est deux. Pourquoi t'as tué Squeezie? Vote Magla, on a gagné. Trop tard, j'ai tué. Non, c'est énorme mytho. Énorme mytho, j'y crois pas. Comment on fait? Gotha, c'est quoi le plan? Y'a pas de plan, mais en vrai, je suis maire, je te mets le maire et au niveau du vote, logiquement tu gagnes en 1v1, non? Je pense qu'elle est crédible du coup. Il venait tellement du cœur. Mets-moi capitaine, Doc. Gotha, t'es. Non, mets Magla. Doc, te fais pas prêt. Gotha, je t'aime. Gotha, je t'aime.
Ne me trompe pas, s'il te plaît. Salut. Pas après tout ce qu'on a allez, vu. Allez, Magla, on fait un Shifumi dans le jeu. Qui va gagner, tu penses? À ton avis. Tu veux pas voter pour toi, là? Putain, Magla, non, t'as été monstrueuse. Attends. Tu sais quoi, je choisis... Lucas, je choisis ton vote. Si tu penses que c'est moi, je vote pour moi, mec. Non, vas-y, tu Magla. Kill Magla. Énorme mytho, il était bizarre comme ça. Énorme mytho. Mec, honnêtement... Let's go. Ok, Magla, écoute-moi. Attends, non, j'ai vraiment ruiné la game en fait. Fais en sorte que je sois chasseur. Donnez-moi le chasseur. Que je commence à tirer dans le tas. Mais fermez-la, c'est incroyable. Magla, j'ai compris pourquoi on vote tout le temps contre toi. C'est que t'es fou, Magla. Le prochain rôle ajouté est le détective. Le détective gagne avec le village. Chaque nuit, il enquête sur deux joueurs pour découvrir s'ils font partie du même camp ou non. Le résultat est positif lorsque les joueurs scannés proviennent du camp des villageois ou des loups. Cela ne s'applique donc pas au rôle neutre. Ah mec, j'ai envie d'être détective là, je vous cache pas, on a tous envie d'être détective. Détective Lucas. Vous inquiétez pas, je suis chasseur cette game 100%. Mais c'était pas, j'étais pas sûr, j'étais en mode, putain, on vote lui. Ah, je savais pas pour qui voter. Ah pardon, elle était hésitante mec, c'est... Ouais, elle était hésitante. Pardon. T'as quand même bien suivi, Dwag. J'ai peur. Oula, t'es en train d'agoniser, qu'est-ce qui t'arrive? Villageoise sorcière. J'ai le coronavirus. 2LG, One Survivors. Ok, let's go. Ah, ça trahit, on va. Ah, la nuit. Ouais, t'inquiète. Ah ouais. Mais, Lucas. Ouais. Ah, t'es détective, mais t'as une question. Ah. Non, attends, je te fais après. On peut répéter donc rouge. L'un des deux ne font pas partie de la nuit. Voilà, j'avais cette question. J'avais la potion de vie, mais ça me mettait pas qui était tué. Non, mais c'est écrit au-dessus en fait. En fait, tu peux utiliser qu'une seule potion. Tu cliques sur la potion et ça sauve. Ouais, mais ça te dit pas qui est-ce qui va être tué. Non, ça te l'a jamais dit. Bah non. Si, j'étais. Non, mais j'étais. Attendez. J'étais sorcière trois fois cette nuit. C'est écrit juste en blanc au-dessus, mais c'est sur du gris, du coup, c'est difficile à voir. Ah, pardon. Et il y a écrit, et tu cliques juste sur la potion de vie et ça sauve le mec, c'est tout. Et moi, pendant la nuit, il était sorcière, il se suicidait par amour, il était survivant. What the fuck. Ah oui, ok, c'est écrit là. Je l'ai archi pas vu, moi. Mais du coup, ça veut dire que les autres sorcières, elles faisaient aléatoirement pour sauver ou non à chaque fois? Quoi? Est-ce que je peux être mère? S'il vous plaît, je l'ai jamais été. Vas-y, y'a pas de cam, toi. Merci. Si, c'est mon Jérôme Macam. Désolé, Mac, là, de t'emporter avec moi. Hey, au fait, Lucas, je peux te poser ma question maintenant? Imaginons, le détective, il prend les deux qui sont amoureux. Mais ils sont loups et villageois. Est-ce que ça les met quand même vert ou rouge? J'en ai pas la moindre idée, c'est une très très bonne question. Parce qu'enfin, ils sont dans la même équipe. Ça les met rouge. Ah ouais, oh là, détective, c'est. Bonne chance, hein. Bah, on va voir s'il va réussir à gagner la game. L'eau clear. Ouais, dis-moi, le garou. Je veux des pourcentages, des mathématiques. 150% sur toi. Ok. Bah, la fois que t'as donné 150% sur quelqu'un, c'était faux. Hein. Ouais. Non, j'avais dit 120. Non. Là, c'est 150. Mais en fait, j'aime pas la manière dont ta cam était braquée vers Magla. Non, c'est pas un débutant camel, il aurait pas fait ça. Est-ce que je peux demander, s'il vous plaît, ce qu'en pense Gotha de cette game? Mais déjà, pourquoi t'as dit Magla alors que c'est Mika qui était visé du coup? Magla, il était en couple avec. Attends, mais Gotha, pourquoi tu me regardes pas quand tu me parles? Ok, regarde-moi quand tu me parles. Okay, ça me perturbe vraiment. T'es probas sur Squeezie, c'est de combien? 180. C'est pas fiable. Non, c'est une mauvaise idée. Toi, c'est combien? Non, écoutez, ok. 2000%. Écoute-moi. Squeezie n'a pas été loup-garou de la soirée. Alors, je peux dire quelque chose? C'est vrai, je comprends totalement tes soupçons, frérot. C'est moi, pas des soupçons, c'est des maths. Game, ferme ta gueule. À chaque game, je suis moi-même étonné de pas être loup-garou. Je suis le seul à pas avoir été étonné. Là, j'étais étonné, mais j'étais très content. Ah, ça y est, c'est enfin tombé. Non, c'est peut-être qu'il est détective. Moi, je te dis, tu votes Kamel. Écoutez. Cool, quoi. On vote Kameto. Moi, mon vote reste sur Kameto. Je pense que c'est lui. Mon vote, il va rester sur toi, alors c'est simple. Eh ben, il va rester sur moi. Il y a aucun problème. Mais les gars, le clé Kameto, parce que là, ça a l'air de jouer entre vous deux. Vous vous basez sur quoi là pour voter le? Il dit que je visais Magla, sauf que Magla est morte parce qu'elle était en couple avec Mikalo. 7 secondes. On fait quoi, Monsieur le maire? Je vais décider. Tu lances ça au courant? Monsieur le maire, on vous suit, hein. Arrête de changer! Non mais il m'accuse d'un truc. Je choisis impossible. Qui? S'il vous plaît, silence. Celui qui parle, je bute. Silence. Y a Gotha aussi. Wow. Bah ouais, il a parlé aussi.
Comment il m'accuse pour un truc, c'est impossible en fait. Écoute-moi. Écoute-moi, sale chien, va. Incroyable. Sale chien. On a perdu. Ah non, mais attendez. Venons, fais les comptes, on a perdu. Quelle bande de cons, putain. C'est des merdes. Gota. C'est sûr que c'est Gota, il parle pas. Quand Gota parle pas, il est loup-garou. Voilà, c'est bon. Tais-toi, toi. Gota, tu dors. Ouais. J'ai l'impression que du côté de. Bah, du mec que j'ai pas tué, il y a quelque chose de louche. Ouais, je pense aussi. Mais ouais. C'est compliqué. Est-ce qu'on est en train de tricher là, je sais pas. Ah, salam. Ah, c'est pour ça que t'étais pas très chaud dans cette game. Je suis le maire. Votez Kameto, celui qui s'oppose, il est loup-garou. Mais sur ça, y'a aucune hésitation. Non, mais... Sur ça, y'a aucune hésitation. Regarde comment Dwag a suivi. Ouais, en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, je peux faire loup-garou, mais. Attends, qu'est-ce que tu crois que c'est Squeezie et moi là? En fait, attendez, non. Non, je pense que Squeezie, il est safe. Mais toi, non. Sauf que là, Locklear, il m'a accusé parce que j'aurais soi-disant tué Magla, alors que Magla est morte parce qu'elle était en couple avec Mikalo. Ça, c'est la accusation. C'est de nous embrouiller, gros. Je visais Magla. Kameto, elle est morte parce qu'elle était en couple. On est inembrouillable, je t'aime. Genre, mais on est. Moi je suis d'accord que c'était soit Locklear, soit toi, vu que c'était pas Locklear. C'est gros. Par contre, Akito qui défend, Akito tu vas prendre aussi. Y'a aucun rapport. Mère, hein. Non, mais excusez, écoute-moi. Non, selon non, moi, je veux pas. Non, mais écoute-moi. Selon moi, c'est Dwag. Mais t'es capitaine. Non, selon moi, c'est Dwag. Il a suivi sur moi. Non, mais il a suivi sans broncher, ouais. En fait, c'est ça le problème. Il a suivi sans broncher. Moi, je suis le maire. Je suis un mec honnête. Mais non, mais excusez, ça prouve juste que Akito Kameto, gros. Voilà, c'est tout. À part si t'es loup-garou, excusez, mais moi, j'y crois pas. T'inquiète. Vous n'allez pas tomber dans ça quand même, non. Si là tout de suite vous suivez Dwag, enfin, excusez, tu suis Dwag et c'est pas normal, genre, c'est impossible d'être autant grillé quoi. Du coup, ça se trouve, c'est Dwag et Squeezie. Ouais, bah si c'est Dwag et Squeezie, on a perdu quoi. Ouais, on a perdu. Enfin, ouais. Mais vas-y, go finir et je vais voter sur toi, Kamel. Kameto. Pas de soucis, juste pour enlever le timer, dans tous les cas. Ouais, voilà, c'était plus pour ça. Non, mais bravo, Squeezie et Dwag. Mec, mais attends, y'a un chasseur, vous pouvez gagner, de quoi tu me parles? Votez Squeezie, change ton vote. À qui change ton vote? Votez Squeezie. Oula, le capitaine délibère. Kameto, voilà. Maintenant, à qui on va te régler ton compte? Ça suffit. C'est simple. Attends juste la nuit. Ok. Ouais. Et après, mes probas, elles sont à chier. Hein. On note. Dans le best-of, on note. Dans les commentaires, on note. Mange-moi, c'est pas grave. On note les mathématiques. Tu parles beaucoup la nuit, Dwag. Hein? Tu parles énormément. J'ai fait bac STG, expert comptable. On note. Bon, à qui donne-moi une bonne raison de pas te buter? Bah, c'est la nuit, je parle pas, désolé. Maintenant, je peux te le dire. Juste à ton avis, quelqu'un qui te suit, genre, tout le temps en permanence, ça a pas de sens. Juste, ça a pas de sens. Donne-moi juste le. Alors là, le je pète un plomb. Et je gagne. Squeezie, sois pas con, gros. Alors, merci, frérot. Allez, ciao. T'es un choker, gros. Mais c'est pas un choker, gros. On t'a cramé depuis tout à l'heure. On te voit faire la paire. Squeezie, t'inquiète pas, tu t'es pas fait douiller, gros. Mais la tête, ma T'inquiète pas, gros, rigole. Oh, j'ai jamais vu ça, gros. Mais t'es pas un choker, gros. T'es pas un choker. T'es pas un choker, gros. Ah, mais arrête de lui monter le cerveau. Attends, il m'a mis le doute, Aki. Attends, Aki, il m'a mis le doute, là. Mais maintenant, il y a égalité. Vote contre Aki, Dwag. Mais vote. Mais vote. Mais... Merci, mec. T'es encore plus un choker que ce que je pensais. Non, mais j'ai crêté. T'as pas voté, Dwag. Mais Dwag. Non, mais j'ai cliqué. Non, mais Dwag, je le déteste. C'est impossible. C'est impossible. J'ai cliqué. Je te jure, Kamel. Mais pourquoi tu l'as pas dit avant si t'avais vérifié? Pourquoi déjà t'as pas voté Squeezie le tour d'avant quand j'avais Aki avec moi? Aki, moi, on a dead ça. On a dead ça avec Aki. De quoi on a dead ça? Qu'est-ce que Aki, on a dead ça tous les deux. Bien joué, frérot. Si tu veux tourner tout de suite. Dwag, t'es une belle salope.